Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi c'est Anouk, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année des arts culinaires à l'Institut Paul Bocuse. Alors moi du coup c'est Aurélien, j'ai 19 ans aussi, je suis aussi en deuxième année en arts culinaires à l'Institut Paul Bocuse. Et toi? Et moi c'est Mathieu, j'ai 20 ans et étonnamment je suis aussi à l'Institut Paul Bocuse en deuxième année avec Anouk et Aurélien. Donc aujourd'hui on va faire deux petites recettes, simples, faciles, efficaces, éco-responsables et pas chères. Donc tu nous fais le plat? Alors le plat du coup aujourd'hui on va vous faire un magret de canard, on va vous montrer comment faire un magret de canard. Des pommes de terre au four avec une petite persillade dessus pour la gourmandise et ça sera accompagné d'une sauce bigarade qui est juste super bonne à chaque fois. Et pour le dessert? Pour le dessert, ça va être un dessert vraiment très généreux, donc des poires rôties avec plein de beurre, mais vraiment du beurre, on va pas hésiter. Le tout sera assaisonné avec des épices. On va servir ça avec une petite chantilly, vraiment facile à faire et qu'on va fouetter nous-mêmes à la main. Donc ça va être très technique et très sport, attention. Et le tout sera servi avec des citrons confits et des oranges confites, voilà. Bah ça a l'air super bon, moi je suis chaud, vous cuisinez? Allez c'est parti. Allez, let's go. Alors du coup là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de parer le magret en fait. Donc je fais le tour de mon magret de canard comme vous pouvez le voir normalement. Vous pouvez voir que sur le tour de mon magret, en fait, j'ai du gras, donc c'est du surplus de gras, et donc je vais l'enlever et je vais réutiliser ce gras pour la cuisson des pommes de terre. Et toi, tu fais quoi? Et donc moi, alors très simple, une bassine d'eau pour les pommes de terre. Les pommes de terre, on va les couper de manière assez régulière. Donc ensuite, les pommes de terre dans l'eau, puis on va les rincer pour enlever vraiment tout l'excédent d'amidon. Ensuite, on va les remettre dans le bol, un petit peu d'huile d'olive, du sel, des herbes de Provence, du paprika, on va mélanger tout ça. Une petite plaque au four, le four qui a été préchauffé préalablement à 220 degrés. Puis on va cuire ça environ une demi-heure. Ok, super. Et pour le magret de canard, sur le dos du magret, en fait, là où il y a la partie grasse, on va quadriller le magret de canard et ça va permettre qu'on va cuire le magret à ce que le gras, quand il va fondre, il va nourrir la viande et ça va permettre de la cuire et lui donner encore plus de goût. Super. Et ouais. Une petite question, c'est quoi comme variété de pommes de terre? Alors c'est les pommes de terre Agatha. À la base, on devait prendre des pommes de terre Binch, mais notre petit maraîcher n'en avait point ce jour-là. Donc, on a opté pour cette variété qui va très bien au four. Super. Et du coup, le four, c'est à quelle température? Tu peux nous le rappeler? Alors le four, on le préchauffe à 220 degrés. Ok. Après, les pommes de terre, donc une fois rincées, on va les cuire à peu près une demi-heure. En fait, une fois qu'elles seront rincées, on va les mettre dans un torchon pour vraiment les sécher. C'est quand même beaucoup plus agréable. Puis okay. Après, tout simplement mélanger dans le bol un petit bac ou un plat à four si vous avez ça à la maison. Et ce sera juste très bien. Parfait. Moi du coup là j'ai fini la préparation au magret, donc c'est les préparations préliminaires au magret. Et je vais pas le cuire tout de suite parce que je vais attendre que les pommes de terre soient cuites pour qu'on sorte tout chaud en temps et en heure en même temps. Donc pendant ce temps là du coup j'ai réservé de côté mes gras de canard pour les pommes de terre. Et ensuite là du coup je vais peler mes oranges pour avoir les zestes de citron. On a une petite question des internautes, est-ce que tu sens doux? Est-ce que tu sens doux? Alors oui j'ai pris une douche avant de venir, oui je sens relativement doux je pense. Faut demander à mes collègues quelque part, hein. C'est pas à moi de, oui, de savoir. Oui, magnifiquement doux. J'ai mis du parfum pour une fois. Pour l'occasion. Donc attention, quand on prélève les zestes de tous les agrumes, on peut voir en fait que sur le zeste, il y a deux parties. Donc il y a la partie blanche en fait, donc ça s'appelle le ziste. Donc c'est une partie un peu amère et donc notre but ça va être de l'enlever parce que ça va pas donner un bon goût lors de la dégustation. Donc on nous demande pourquoi est-ce que c'est la femme qui anime. Alors c'est la femme qui anime, je sais pas. Parce que c'est la meilleure la femme. C'est toujours les meilleures les femmes. C'est pas un choix réfléchi en fait quelque part, c'est fait naturellement. Non, c'est naturel, les femmes toujours. On s'est pas dit Anouk va animer parce qu'elle est moins bonne que nous en cuisine, c'est loin de là, c'est des préférences.
quelque part. Donc là, les pommes de terre, on les a bien lavées, on les met dans le torchon. Et on fait ce mouvement pour vraiment enlever toute l'humidité. Le bol, on vient juste de le rincer. Et ensuite, on va simplement le sécher. Alors pourquoi cette recette est éco-responsable ? Votre recette est-elle éco-responsable ? Alors oui, parce que clairement, on va utiliser toute l'orange. Les pommes de terre, on garde la peau pour le côté croustillant, donc très sympa. Ensuite, le magret de canard, c'est très simple. Le gras, on le garde et on le réutilise sur les pommes de terre. Les poires vont être traitées de A à Z. Juste, on ne va pas mettre les cœurs parce que les cœurs sont assez désagréables en bouche. Et je pense qu'on a fait le tour. Et pour revenir à la question de l'éco-responsabilité, moi quand on parle d'éco-responsabilité, je pense surtout à un ami à moi qui s'appelle Paul Rouquet. J'aimerais lui faire une vraie dédicace à Paul Rouquet, parce que c'est un cuisinier qui tient beaucoup l'éco-responsabilité dans les cuisines. Et je voulais une petite pensée pour lui lors de ce live. Très important pour moi. On nous dit que ça a l'air délicieux ce que vous faites. Bah, ça a seulement l'air. Merci. Donc alors les pommes de terre, donc on a mis dans un cul de poule ou si vous avez un bol à la maison, c'est très bien. Donc on va prendre de l'huile d'olive, alors là faut vraiment pas hésiter, faut y aller, faut être vraiment généreux. Voilà. Hop. Ensuite des herbes de Provence, là c'est pareil, c'est vraiment à l'œil qu'on le fait. Paprika. Je pense qu'on va pouvoir tout mettre en paprika. Mmh. C'est meilleur. Oui bah oui c'est meilleur. Clairement. Hop. Ça c'est pas mal. Hop. Excusez-moi, on va quand même se laver les mains. On nous dit que c'est vraiment chouette le côté récup de la recette. Et ils ont pas tort, parce qu'on utilise tout, on jette rien. C'est ça le but, on est d'accord ? Ça, c'était pas le fond de base quand on a créé la recette. Mais c'est mieux, c'était pas c'est toujours but mieux. Principal, mais c'est toujours mieux. Puis vu que ça nous coûte de l'argent, en fait, le mieux c'est vraiment pas de dépenser. Et du coup, il vient d'où le canard ? Alors, le canard, il vient d'où le canard ? Alors, le canard, il vient, normalement, c'est surtout consommé dans la région du sud-est de la France, là où il est le plus populaire. Et nous, notre canard, du coup, on l'a acheté en supermarché, ce qu'on avait avec les moyens du bord. Donc, tout le monde peut se le procurer ? Clairement, oui. On n'a pas pris un canard chez le boucher qui nous coûte 18 euros le magret. On n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est vraiment une recette étudiante. Il faut savoir que là, du coup, c'est nous qui avons fait les courses avec Mathieu. Et on en a eu au total pour 22 euros. Sachant qu'il y a des produits qu'on a achetés en grosse quantité qu'on pourrait utiliser plusieurs fois. Donc, ce n'est pas des produits onéreux à travailler. Donc, le coût matière de la recette, c'est environ 10 euros par personne ? C'est un peu moins de 10 euros au final. Parce que... 9 euros. Ouais, c'est ça. 9 euros ? On est plus sur du 9 euros. Quoi. 9 euros par personne pour un plat, un dessert qui ne paye pas de mine. Ouais. Qui est gourmand en plus. C'est ça, surtout qu'on est généreux. Donc ça, tu nous as dit que ça servait à quoi de retirer le blanc ? Enlever l'amertume. Ok. Et c'est un goût désagréable, donc ça sert à rien de le laisser. Ça apporte rien en fait, donc à part de l'amertume, un mauvais goût, donc on va tout enlever. Et vu qu'on va vraiment utiliser les zestes. Ça marche, ok. Donc là, je récupère le gras, on va le couper un petit peu pour qu'on le dispose vraiment partout sur les pommes de terre. Et à quoi il sert le paprika pour la recette ? Le paprika, juste pour le goût ? C'est à la fois pour le goût, mais également pour la couleur. Voilà, tout simplement. Ça nous fera des potatoes un peu, quoi. Exactement, mais meilleur que chez le genre américain. Pour ne pas citer de marque. Voilà. Super. Ouais. Donc là, les pommes de terre sont prêtes. On va les mettre au four. Donc un four à 220 et pendant 30 minutes. 220 degrés pendant une demi-heure, voilà. Super. Donc là, je vous montre rapidement comment je vais tailler du coup mes zestes d'orange. Donc je ne les ai pas tous faits, mais je les ferai plus tard. De toute façon, on en a déjà pas mal pour notre recette. Donc je vais les tailler en julienne, donc on appelle ça en cuisine. Donc en julienne, je vais vous montrer, hein, c'est très simple, c'est rien. C'est des termes compliqués, mais en fait, une julienne, c'est juste des filaments très fins qu'on va tailler tout le long de la peau d'orange. Donc voilà, donc des petits filaments comme ceci qu'on va faire blanchir trois fois. Super. Je vous montrerai tout à l'heure, bien sûr. Et à quoi ça sert de faire blanchir trois fois ?
Alors, on les blanchit trois fois parce que si on mange comme ça, vous allez sûrement faire une petite grimace parce que c'est super amer. Donc, le but de blanchir, c'est justement de, avec l'eau, d'enlever cette amertume pour avoir plus le goût de l'orange qu'on recherche. Parce que l'amertume est très forte et ça va cacher le goût, que le bon petit goût d'orange qu'on va apporter dans la recette. On vient de nous dire qu'on était juste un super trio. Eh ben ça, c'est gentil. Donc, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir qu'on n'est pas un trio là que pour le live, hein. On est amis avant tout. Hop, attention. Donc moi, pendant ce temps, j'ai coupé donc, mes poires en quatre. Mm-hmm. Donc là, la poire du coup se présente comme ceci. C'est quoi comme type de poire? C'est des poires de conservation. Hop. Donc là, on vient juste retirer le cœur. Voilà. Et on va les laisser comme ça. Ok. Bien entendu, mettre un petit jus de citron par-dessus pour éviter qu'elle ne s'oxyde. Donc s'oxyder, c'est juste que le fruit, du coup, va, avec l'air, va devenir tout noir. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Tu fais des belles juliennes, toi. Ouais, ça se voit qu'on a dû en faire. Hein. Donc on a une question plus sérieuse. Pourquoi vous avez choisi l'Institut Paul Bocuse pour faire vos études? Ben, Aurélien, vas-y, commence. Alors pourquoi j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse? Alors il y a plein de raisons diverses et variées. Mais à la base, du coup, moi, je voulais visiter plusieurs grandes écoles de cuisine en France. Puis j'ai fait une journée porte ouverte à l'Institut. Mais en plus, c'est vraiment ça, hein, ça va paraître un peu cucu, mais c'est super honnête. J'ai fait la journée porte ouverte de l'Institut. Donc les élèves ont présenté l'école, tout ça. Et je suis vraiment, j'ai vraiment aimé l'ambiance et ce qu'ils voulaient. T'es tombé amoureux, quoi? Non, j'irai pas jusqu'à là, mais on a une belle relation avec l'Institut. C'est vrai, mais... Non, mais j'ai vraiment apprécié ce côté ami de l'Institut. Famille. Et, oui, exactement. Et même les programmes qu'on nous propose, j'ai bien aimé. Et... Pour l'instant, je ne regrette pas mon choix, donc c'est le plus important. Ok. Donc, et moi, juste avant de vous répondre, juste répondre à la petite question. Chaleur tournante ou traditionnelle, la cuisson au four? On va plutôt opter pour une chaleur tournante quand même. Voilà. Et donc, moi, alors, j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse, simplement parce que j'ai déjà un parcours en cuisine avant. Et c'est lors de mon apprentissage à La Rochelle, juste avant, que je me suis posé la question de continuer ou pas à un plus haut niveau. Et pour moi, l'Institut Paul Bocuse, c'était simplement l'excellence. Donc je me devais de venir ici à Lyon, voilà. Ok. Moi j'ai choisi l'Institut Paul Bocuse parce que pour moi c'était la référence de la bonne cuisine française et il n'y avait pas mieux. Donc et l'esprit de famille c'est toujours sympa. Okay. Quelle variété de poire t'as utilisé, Mathieu? Alors c'était des poires de conservation, donc je pense tout simplement que... Des conférences? Voilà, c'est ça. Oui. Donc là du coup, donc je vais blanchir mes zestes. Donc en fait blanchir, c'est donc là j'ai mis de l'eau froide dans ma casserole, j'ai mis mes zestes d'orange. Donc j'ai porté à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, je vais enlever l'eau. Et je vais refaire ce procédé trois fois d'affilée en fait. Le but c'est vraiment de porter à ébullition trois fois mes zestes. Et à chaque fois ça va enlever un peu ce goût amer. Et c'est l'objectif, du coup on va en laisser ça tranquillou. Ok. Et je vais nettoyer mon plan de travail. Toujours rester propre. Ouais. Sinon après, travail propre, c'est essentiel. On se prend les petits tacles, c'est pas super cool. On nous dit qu'il y a 2 ans, tu savais pas cuire un steak haché. On te félicite. Alors, je pense savoir qui c'est qui a dit ça. Et c'est un peu plus complexe que ça. Non, c'est exagéré, bien sûr que non, il y a 2 ans, mais... Il faut savoir que par contre, pour le coup, pour revenir par rapport à l'Institut, moi je n'avais pas fait de cuisine avant, je sors d'un bac pro pour le coup. D'un bac général. Et je savais cuisiner, j'avais déjà cuisiné chez moi, mais je n'ai pas fait un CAP ou un bac pro en cuisine. Et je ne suis pas du tout à la ramasse ou quoi que ce soit. On apprend vite et beaucoup de choses à l'Institut. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi, tout simplement, là je suis en train de préparer ma persillade. Donc la persillade, c'est simplement un mélange de persil haché et d'ail. Donc là, j'ai pris 3 gousses d'ail, je les ai simplement coupées en deux et je suis en train de les dégermer. Donc j'enlève le germe intérieur parce que le germe est absolument indigeste et c'est absolument pas ce qu'on veut dans la recette. Voilà. Super. Simplement. Parfait. Attends, du coup, je vais passer à la chantilly. Donc là, on va passer au point un peu physique de la recette, enfin pour mon côté du coup. Donc là, on va faire une chantilly à la main. Donc c'est un vrai plaisir en tout cas de le faire, pas du tout. En fait, pour faire une chantilly à la main, donc c'est simple. Donc j'ai mis mes culs de poule au frais avant. Donc là, j'ai un bac de glaçons. Mais sinon, juste mettre du cul de poule au frigo préalablement ou au congélateur, ça suffit. Donc il faut que le contenant soit bien froid. Donc je vais mettre ma crème dedans.
J'incorporerai un tout petit peu de sucre vanillé, une petite pincée juste au début pour la démarrer. Et au fur et à mesure que je vais fouetter, elle va prendre de la consistance. Et après, j'ajouterai mon sucre glace que j'ai tamisé préalablement. Ok, super. Est-ce que depuis tout petit, tu es dans la cuisine, toi? Ouais, on va dire ça comme ça. C'est une vocation? Clairement, oui. Mon grand-père était cuisinier. C'est lui qui m'a transmis la passion. Donc, voilà. C'est le chemin de vie. Clairement, c'était le chemin de vie, même s'il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué, beaucoup de remises en question, mais tout est revenu autour de la cuisine, donc c'est clairement une évidence. Là, j'émince finement mes gousses d'ail, pardon. Puis après, on va venir les hacher, tout simplement. Alors, qui je préfère entre Mathieu et Aurélien? Difficile comme question. Non, les deux, vous êtes géniaux. Je t'aime pas, non, tu n'abriques. La petite vous technique pour hacher, simplement, on prend son couteau comme ça, on le pose, on fait un peu ce mouvement de balancier. Avec l'autre main, on vient taper vraiment sur le bout du couteau. Tout simplement comme ça. Donc là, on ramène toujours. N'hésite pas de temps en temps à donner des quarts de tour, c'est très important. Ça permet que le mélange soit vraiment homogène, taillé quasiment parfaitement partout. Donc voilà. Tu veux prendre le relais? Non, ça va. Alors pourquoi pas avoir utilisé un zesteur pour les oranges? Alors c'est simple parce que le problème avec un zesteur, c'est que je pense que ce sera pas assez fin comme nous on voudrait. Et après, pour retirer le ziste, c'est ultra galère. Donc autant prendre directement un rasoir, comme ça on a vraiment des grosses bandes, c'est beaucoup plus sympa. Et après, bah, c'est clairement beaucoup plus simple pour faire ce qu'on veut. Donc nous, c'était vraiment des écorces. Et on remercie évidemment le campus de l'Institut. Et bien sûr, parce que c'est le meilleur campus de toutes les écoles. Vraiment. On fait faire monter une chantilly à la main, c'est un vrai plaisir. Mais on les aime quand même. Ça te fera la muscu. Ouais, les salles sont fermées, donc. Profite. Ouais, je fais bien assez de sport à côté. Ça dépend ce que tu fais le soir. Donc là, je crois que j'en prends. Et quel bras. Demande à Anouk du relais. Hein. Quels sont vos projets à la sortie de l'école? Vas-y, Anouk. Alors, moi, mes projets, je sais pas encore, ils sont pas très bien définis. Peut-être déjà en troisième année partir au Japon. Et après, travailler, voyager, je sais pas trop. Et toi? Alors moi, ça va être un peu comme toi, troisième année, partir au Japon, sûrement avec l'Institut Paul Bocuse. C'est un programme qui a été dédié donc uniquement en troisième année. Et après, faire de très belles maisons en France, puis partir à l'étranger. Je ne vais pas en plus partir tout de suite, sachant que je serais déjà parti au Japon au préalable. Et le but plus tard, c'est clairement d'ouvrir sa tente. Donc on se retrouvera au Japon, quoi. Exactement, on se retrouvera au Japon, Annick. Et toi, Aurélien? Alors moi, du coup, mon projet professionnel, ce serait du coup de partir en troisième année aussi à l'Institut au Japon. Et après, ce serait d'abord faire des grandes maisons pour apprendre la cuisine. Et ensuite, ouvrir mon propre restaurant de cuisine traditionnelle, enfin la cuisine que j'aime, que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est mon objectif. Super. Parfait. Tu veux que je te relaye? Ouais, franchement, ouais. Malheureusement, on fait une recette pour deux personnes. Déjà, on va être trop dégusté. Donc, je pense pas trop si ça sera pour quitter le collège. Mais ça pourrait se faire. Désolé pour vous, mais non. On va bien manger ce qu'on fait. C'est important, de toute façon, goûter ce qu'on fait. Hein. Donc là, le persil, c'est comme l'ail. On donne toujours un quart de tour vraiment pour le dégrossir. Et après, on va vraiment venir le hacher finement comme j'ai fini tout à l'heure. Voilà. Bah, elle monte bien ta chantilly. Je vois la force.
Combien de temps il faut pour fouetter cette crème? Je sais pas, vous avez chronométré? Non, je sais pas, ça dépend vraiment de la force et de l'intensité qu'on émet. Ça met 5 minutes, 5-10 minutes? Non. Plus? Si je tourne pendant 40 minutes comme ça, ça va monter beaucoup. Oui, bien sûr, mais si tu fouettes vraiment. Le but, c'est vraiment d'apporter beaucoup d'air. C'est ça. Faut fouetter très fort. Fouetter pour incorporer de l'air, il n'y a pas 100 milliards de façons. Donc là, maintenant, regardez, elle commence à être un peu. Elle prend un peu de la matière, elle prend un peu de la consistance. Donc là, j'ajoute petit à petit mon sucre glace pour sucrer un peu cette chantilly, lui donner un peu plus de goût. Donc j'ai reçu une question, qu'est-ce que la cuillère en or que j'ai? Alors c'est simplement un cadeau d'un ami. Donc, d'ailleurs dédicace du coup à Bernard. À Bernard. Donc, Bernard est un étudiant qui nous vient de Chine, il a 34 ans. Il a tout quitté pour venir apprendre la cuisine en France. Et l'année dernière on était dans la même classe, on a partagé de beaux moments ensemble. Et il avait une cuillère comme ça et je la trouvais vraiment belle, donc il m'en a donné une également, voilà. Ah, si les vidéastes, ils voudraient bien venir aider pour la chantilly, ce serait pas de refus. Ouais. L'équipe campus. Ou l'équipe qui a envie de montrer un peu ses bras, n'hésitez pas. Ses talents. Ses talents de chantilly. La chantilly commence à être bien montée. Hop. Donc là, c'est parfait. C'est bien mélangé. C'est fini. Et comment on sait que les oranges ont fini de blanchir? Quand ça bout, tout simplement. Donc d'ailleurs, là, ça met un peu trop de temps à bouillir, donc je vais augmenter un peu le feu. Bah, il a déjà été augmenté. Donc, okay. Non, augmenté au préalable. Bien vu. Du coup, ouais, parce que faut que ça boue. C'est le seul indicateur, c'est dès que ça boue, j'enlève, je débarrasse et je reprends à l'eau froide. Ça a trois fois d'affilée. J'entends à l'oreillette que tu nous donnes faim. Ah, mais ça, je sais. Je donne faim à tout le monde, moi, tout sauf à ma mère. Hop, donc là on met. Dédicace à Catherine. N'hésitez pas à faire une dédicace. Là dans un bol, on mélange le persil et l'ail. On prend une cuillère. On va venir un peu essuyer. On va tout simplement venir mélanger. Voilà. Faut pas mettre trop d'ail non plus parce qu'après ça peut être assez désagréable et le but c'est vraiment pas ça. C'est en fonction du goût de tout le monde, quoi. Ouais, exactement, chacun fait sa petite persillade. C'est pas évident de monter une chantilly sans fouet électrique, bravo en lien. Alors, ça se voit. Ça, c'est facile de le dire parce qu'à la base, je voulais le monter au batteur, mais on m'a dit faut montrer l'exemple, faire des choses un peu plus facilement amateur. Du coup, bah, je la monte à la main, mais c'est vrai que monter au batteur électrique, c'est beaucoup plus simple et vous avez juste à mettre le batteur et c'est pas compliqué. Moi, je la monte à la main, du coup, bah, pour vous montrer. C'est pas le plus facile. Vends, quoi. Je me vends, je vends mon corps, voilà. À la science. Toujours vendre son corps à la science. Je dédie mon corps, ouais. Pas la totalité, hein. Aurélien, est-ce que t'as un chef mentor hors de l'Institut? Ou à l'Institut? Non, j'ai pas de chef mentor à proprement parler. Et ton chef préféré de l'Institut? Mon chef préféré de l'Institut? Ça va faire des jaloux, hein? Ça va faire des jaloux. Est-ce que je peux vraiment le dire? Je ne sais pas. Il y a plein de personnes, il y a plusieurs chefs que j'aime beaucoup. Des chefs avec qui je peux parler hors cuisine et parler librement, donc ça c'est super. Et il y a aussi pas que des chefs, il y a aussi des maîtres d'hôtel avec qui je m'entends très bien. Enfin, il n'y a pas vraiment une personne que je pourrais mettre sur un piédestal comparé aux autres. Est-ce que tu peux cuisiner le salé et le sucré sur la même planche? Bien sûr que non, c'est pour ça qu'il faut les nettoyer tout le temps. Voilà. Quelle boisson accompagnerait ce menu? Oula, bah alors déjà pour le plat, on va peut-être partir sur un vin rouge, je pense. Ouais, le plat, voilà, un vin rouge. Voilà, un vin rouge. Vu qu'on est dans le sud-ouest, être un vin à côté de Bordeaux, ça me paraîtrait être pas mal. Voilà. Et pour le dessert? Ouais, pour le dessert, on peut partir sur un petit digestif. Hein. Un digestif? Ouais, un petit digestif. Allez. C'est important de boire quand on boit, quand on mange, pardon. Un petit digestif à la poire, justement, pour rester dans le thème. Faut s'hydrater. Voilà, faut s'hydrater. Donc là, du coup, je suis enfin venu à bout de ma chantilly. Donc là, elle se tient bien. Hein. Et ça s'appelle comment, cette forme? C'est quoi? Là. Ah, ça, c'est un bec d'oiseau. Donc c'est un moyen technique. C'est juste visuel pour savoir si elle est bien montée. Donc hop là. Et donc là, je prends. Et là, ça se tient. Il hein, n'y a pas de souci. Donc elle là, bouge elle pas. Est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer mes bords pour faire ça proprement. Et après, je vais la laisser au frais tranquillement.
m'attarder à commencer la cuisson de mon magret de canard. Du coup, là, Mathieu, qu'est-ce que tu viens de faire? D'abord, un petit nettoyage, c'est très important. Toujours. Et ensuite, vu qu'Aurélien va commencer à attaquer l'action du magret, moi, je vais déjà continuer les zestes d'orange. Voilà. Tu viens de changer l'eau? Exactement, je viens de changer l'eau pour la première fois. Excusez-moi, je n'ai pas notifié cela. Et ensuite, on va passer à la sauce bigarade. Super. De toute façon, il nous faut ses zestes. Parfait. T'as goûté la chantilly, Aurélien? Non, mais je la goûterai avant de servir, bien sûr, pour la réassaisonner avec un peu de sucre. Super. Parce que c'est pas maintenant que je vais la servir, de toute façon je vais la remonter un peu parce que quand elle peut se détendre un peu au frigo. Et du coup, là justement, je la laisse reposer et juste avant de la mettre en poche, je la remonterai un peu et je la goûterai rapidement pour savoir. Ah, bien vu. C'est pas grave. Donc là, je sale mon magret, je vais saler les poivres. Ça sert à quoi de saler les poivres avant? Ça sert tout simplement à assaisonner pour donner du goût et. Ce soit plus homogène? Oui, c'est plus homogène, mais surtout que salé à la fin, c'est bien, c'est vraiment pour mettre la dernière note, mais salé pendant la cuisson, c'est important, ça permet justement de continuer. Oui, effectivement, après, ça ralentir un petit peu. On va peut-être ralentir un petit peu, c'est vrai que vous êtes tout seul à la maison et que nous, on est deux, donc forcément, c'est un petit peu plus facile, on s'excuse, donc on va ralentir un petit peu. Mais dans tous les cas, vous pourrez regarder le replay qui va être posté sur la chaîne. Donc, si vous voulez refaire les recettes à la maison, vous pourrez regarder les replays. Ça. En attendant, moi, je vais simplement m'occuper donc des oranges. Donc, on va juste les couper en deux. On va presser le jus, voilà, pour la sauce. Et on va faire pareil avec le jus de citron. Ça aurait pas été mieux de mettre un film alimentaire sur la chantilly pour la garder? C'est bien quand on a un frigo avec justement plein de produits dedans, donc un frigo simplement domestique. Mais là, pour le coup, vous pouvez pas le voir, mais il y a rien dans mon frigo, il y a juste ma chantilly. Mais c'est vrai que j'aurais dû le filmer en soi. Et ça change quoi d'avoir des choses dans son frigo et pas de... Justement, c'est les odeurs qui peuvent... Okay. En général, quand vous ouvrez au frigo, si c'est un fromage dedans, bon, ça va le sentir, vous allez le sentir directement et tous les autres ça produits vont sentir. Ça nous ferait une chantilly au fromage, quoi. Exactement. Bon, là, heureusement, on n'a pas de fromage, donc normalement, ça devrait aller. Donc, on ne filme pas. J'aurais dû, mais pas obligé. Bien sûr, je suis torse nu, je ne peux pas vous montrer. Bien sûr, je suis torse nu, sinon j'ai beaucoup trop chaud, surtout que je monte une chantilly à la main. Donc, les oranges, juste avant de les couper, on va venir juste les presser comme ça. Ça sert à quoi? Ça sert simplement à ce que quand on va les presser après, il y aura beaucoup plus de jus qui va sortir. Mm-hmm. Voilà, tout simplement. Donc, super. Après, on la prend, on la coupe. Donc là, il reste 11 minutes avant la fin de cuisson des pommes de terre. Du coup, je vais vous expliquer rapidement la cuisson du magret, comment ça va se passer. Donc mon magret, il est là. Hop. Donc le magret, d'abord, je vais le démarrer côté gras. Mm-hmm. Je vais le faire démarrer surtout dans une poêle froide. On va le monter en température. Enfin, on va monter en température. Et donc ce gras, du coup, va cuire le magret. Et il ne faut pas hésiter à enlever petit à petit parce que c'est pas forcément bon de laisser trop de gras. Et quand il sera bien coloré, donc je laisse à peu près 5 minutes environ. Et quand il sera bien coloré, je le retournerai côté pot et on finira la cuisson au four avec les pommes de terre. Ok, super. Et est-ce que mettre du marc de café ou du citron dans le frigo, ça permet d'enlever les odeurs? Alors ça, j'avoue que je ne suis pas du tout expert, donc je ne pourrais pas... Il me semble que le marc de café, ça permet d'absorber les odeurs, les mauvaises odeurs. Mais je ne sais pas si ça marche vraiment avec les odeurs de fromage ou quoi que ce soit. Donc là, juste avant de venir les presser, on donne aussi un petit coup de fourchette dedans, vu qu'on n'a pas forcément d'appareil... De machine de presse agrumes, pardon. Comme ça, on va vraiment pouvoir tout récupérer. Et pourquoi tu mets pas ton magret dans une poêle chaude? Alors, je mets pas mon magret dans une poêle chaude parce que du coup, ça va permettre de le démarrer tout doucement et donc ça va faire fondre le gras petit à petit et ça va pas le choquer. C'est pour pas choquer la viande. C'est comme ça, ça. Okay. Petit à petit et ça permettra de cuire. Mais du coup, ça colore moins? Non, ça va quand même colorer. Ça va quand même colorer parce que du coup, le gras monte vite et haut en température. Du coup, on n'aura pas de souci à ce niveau-là et il y aura quand même une belle coloration. Oui, ça va être croustillant. Alors, j'ai simplement les oranges à la main parce que là, du coup, on les a bien pressés avant. Ensuite, on les a piqués du coup avec la fourchette pour bien faire sortir le jus. J'ai un petit chinois ou une petite passoire si vous avez chez vous, c'est parfait. Comme ça, ça évite d'avoir
Tout simplement la grosse pulpe qui ne va pas forcément nous intéresser et les pépins, bien entendu. Donc après, simplement les presser à la main et c'est tout bon. Voilà, c'est bon. Donc là, vu que ça boue, tu nous fais le troisième bain, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'abord, il faut juste que je trouve le chinois. Ah bah c'est Mathieu qui le va. Ouais, je vais attendre rapidement. Parce que du coup, là, je vais faire le troisième bain. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux le jeter. Éco-responsable ? Ouais, éco-responsable, oui. Mais, c'est pas le but à la base de la recette, c'est un peu vendeur. Donc, on est d'accord que le magret, tu commences sur une poêle froide, c'est ouais, bien ça ? C'est ça. Je commence sur une poêle froide et là, je l'ai mis le feu. Donc, j'ai mis à feu moyen. Et après, c'est à vous de voir si c'est trop fort ou pas. Donc, vous verrez, c'est trop fort. Si de toute façon, ça va fumer. Donc, si ça fume trop, c'est que c'est trop fort. Donc, c'est à vous de réguler. Il faut que la cuisson soit. Il faut que ça rentre progressivement. Il faut être gentil avec le magret. Il ne faut pas le choquer. Donc, là, tu nous fais un troisième bain pour les oranges. Voilà. Et c'est le troisième et dernier bain. Exactement. C'est ça ? Donc, là, hop, on les repasse. Un petit peu d'eau. Pas forcément besoin de mettre 15 litres d'eau juste en mouillée hauteur, ça suffit largement, on va pas gâcher de l'eau bêtement. Surtout que ce sera ne pas mettre beaucoup d'eau, ça va être plus rapide à bouillir. Moins il y a d'eau, plus ça va monter vite en température et donc plus ça va être rapide à les blanchir. Donc est-ce que l'ambiance est chouette ou il y a de la compétition entre les élèves à l'institut? Non, l'ambiance elle est vachement chouette. Il y a quasiment pas de compétition entre les élèves et les chefs ne veulent pas qu'il y ait de compétition ou quoi que ce soit. C'est vraiment familial et amical quoi. Après j'ai envie de vous dire, c'est comme partout, ça reste une école, il y a des élèves différents, il y a des caractères différents. Donc il y a des gens qui sont plus là dans la compétition en mode regarde, j'ai une meilleure que toi, patati patata. Mais c'est pas souvent la meilleure façon de... Il y en a pas plus, mais il y en a partout, comme il y en aura partout dans la vie de tous les jours. Hein. L'institut n'est pas une exception non plus. Hein. Mais on apprend à travailler en équipe. Et ne pas avoir beaucoup d'esprit de compétition, enfin entre chacun. Mais si c'est chaud, touche. Je sais que c'est chaud. Un peu tout long. Donc là, du coup, au niveau de l'avancée de la recette, donc on a nos magrets de canard qu'on a commencé à lancer en cuisson. On a nos pommes de terre qui vont bientôt être cuites. Après, on a la sauce qui va être réalisée par Mathieu. On a nos zestes d'orange, qui vont être utilisés plusieurs fois. Donc ils vont être utilisés plusieurs fois. On va les utiliser, tous les zestes, on va les utiliser deux fois. Une fois pour le plat, donc ils vont être utilisés dans la sauce bigarade. Mm-hmm. Et une fois pour le dessert, donc on va les faire confire dans un sirop. Et ça va faire exactement comme les confiseries, donc des petites oranges confites qu'on a dans le chocolat. Comme les orangettes. Exactement, et donc c'est ce qu'on va avoir pour le dessert, qu'on va pouvoir positionner sur notre chantilly. Ça va être très beau et okay. Très bon. Et du coup, on nous a demandé si l'ambiance était vraiment familiale. Donc oui. Et c'est quoi la devise? Alors la devise, c'est manger, boire et s'amuser, bien sûr. Surtout s'amuser. Un peu petit, hein. Oui, on se tire tous vers le haut. Enfin, on nous entraîne, tous les chefs et les profs nous entraînent à nous tirer vers le haut. Donc on travaille vraiment en équipe. Et c'est ça qui est vachement sympa, là, si tu veux. Donc force à travailler en équipe, après forcément ça ne peut pas avec tout le monde, comme je vous l'ai dit, hein. Ça reste une école, ça reste On choisit jamais avec qui on travaille, mais au final on arrive à s'entendre sur certains points. C'est vrai que pour le coup l'Institut force beaucoup sur les travaux de groupe. C'est bien, des fois c'est un peu plus embêtant et c'est comme ça, et plus tard dans nos métiers en tout cas, dans le milieu de la restauration, dans tous les cas on va travailler en groupe, donc il faut savoir travailler en groupe. C'est important en tout cas. Alors qu'est-ce qui compose la sauce bigarade? Voilà. Qu'est-ce qui compose la sauce bigarade? Donc simplement des zestes d'orange confit. Mm-hmm. Ensuite, dans un premier temps, c'est très simple. On va venir réaliser une gastrique. Donc une gastrique, c'est quoi? C'est simplement du sucre qu'on va faire fondre comme pour un caramel. Une fois qu'il aura vraiment la couleur, la consistance d'un caramel, on va déglacer avec du vinaigre blanc. Ensuite, donc, on va essayer de cuire ça très doucement, mais assez rapidement. Ensuite, on va venir mouiller avec notre mélange de jus d'orange, donc des deux oranges et de notre demi-citron. Mmh. Et c'est cuit encore un tout petit peu. Puis, on va ajouter donc,
notre fond brun de veau. Donc à la base, tu as un fond brun du coup, qui était déshydraté. Donc chacun peut vraiment s'en procurer dans n'importe quel supermarché. Si vous n'en avez pas, c'est simple, utilisez simplement de l'eau. Donc là, j'ai pris 15 centilitres d'eau et j'ai ajouté à peu près une cuillère à café et demi de fond brun de veau. Voilà. Okay. Donc ensuite, on ajoute ceci. On laisse un petit peu réduire jusqu'à la consistance vraiment sirupeuse et nappante, comme pour une sauce. Puis à la fin, on vient simplement disposer notre julienne d'écorce d'orange. Et comment on voit qu'une sauce est nappante ? Alors, je vais vous montrer, ça va être simplement sur la cuillère. On va venir tremper la cuillère. Et après, sur le dos de la cuillère, on va venir faire un petit trait avec notre doigt, tout simplement. Ok. Et on verra si ça reste ou pas. Donc, la question, c'est en période de Covid, est-ce que les cours culinaires sont-ils assurés ? Oui. Une fois que ça a été adapté, que l'école s'est adaptée, ça a été assuré. Mais les cours théoriques sont évidemment en Zoom. Mais on a encore tous les apprentissages en cuisine. Actuellement, on est en apprentissage, nous trois. Et ben voilà. Donc là, ce que vous n'avez pas vu, enfin vous l'avez peut-être vu. Donc j'ai mis une casserole à chauffer sur la plancha. Donc ça peut être à chauffer sur un feu, hein, peu importe, c'est juste pour l'espace. Mm-hmm. Donc en fait, dans ces casseroles, donc, j'ai fait les peser tout à l'heure parce que ça ne sert à rien de les faire devant vous. Donc il faut savoir que c'est un temps pour temps au sucre. Donc un temps pour temps, ça veut juste dire que j'ai autant de sucre que d'eau. Donc là, en l'occurrence, dans cette casserole, j'ai mis 100 g d'eau, 100 g de sucre. Et donc ça va me servir de sirop pour confire mes zestes d'orange. Et donc on va laisser juste ce sirop tranquillement chauffer. Et petit à petit, ça va confire les oranges tout doucement, tranquillou. Donc on a une autre question, c'est est-ce qu'on a sorti le magret avant la recette pour le faire prendre en température ? Alors je l'ai sorti une première fois un peu avant la recette pour le parer un tout petit peu sur les petits bouts de nerfs qu'il y avait. Ensuite, je l'ai sorti quand je l'avais. Donc après, je l'ai remis au frigo. Et donc, quand on a démarré le live, là, je l'ai ressorti, je l'ai paré. Et après, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus rerangé. Je l'ai laissé à l'air libre pour que justement il reprenne en température tranquillement. Et ça sert à quoi de laisser la viande reprendre en température ? Donc, ça, c'est pas que pour le magret de canard, c'est pour toutes les viandes en général. Ça permet à la viande de se détendre un peu parce que quand vous sortez votre viande du frigo, en général, la chair va être un peu plus ferme. Mm-hmm. Et donc le fait de la laisser à température, ça permet à la viande de se détendre et donc à la cuisson, ça va être mieux et ça va être plus agréable en bouche. Ok. Et du coup, avec quel plat végétarien on peut servir une sauce bigarade ? Oula, ça me demande de la créativation en live là. Quel plat végétarien on pourrait sortir une sauce bigarade ? Bah une sauce bigarade, c'est une sauce à l'orange donc. Un plat avec de la semoule, des carottes, des patates douces. On peut mettre une petite sauce bigarade, ça fait un peu sucré salé, ça peut être très très bon. Comme un peu un tagine, mais végétarien. Je sais pas. Puis même une sauce bigarade, c'est une sauce à l'orange, donc on peut penser, je sais pas, par exemple. Ouais, avec des légumes, des carottes, des légumes, tout ça, ça peut être très bon. Il y a plein de salades qui sont juste assaisonnées avec des agrumes. Donc là, on peut l'utiliser pour ça, c'est un peu le principe de la sauce bigarade. En fait, la sauce bigarade, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on fait avec le magret de canard. C'est le magret de canard à l'orange, tout simplement. Une sauce bigarade, c'est une sauce qui a le goût de l'orange et donc ça se marie très bien avec le magret de canard. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et au sujet des pommes de terre, est-ce qu'il faut les remuer dans le four ? Bien entendu, je ne l'ai absolument pas fait. Oui ? C'est une erreur de ma part. Tu veux que je surveille ton caramel ? Non ? Belles les pommes de terre. Ouais, ça donne envie de les manger. Donc là, les pommes de terre, elles sont tout à fait cuites. Donc juste, on va laisser le four simplement vers 100 degrés, comme ça, ça n'aura pas de cuire. À combien de degrés, pardon ? Entre 80 et 100 degrés. Je vous conseille plutôt 80. Ça garde juste la température et ça ne cuit pas. Ça c'est stop. C'est bon ? Donc là on peut encore voir que le magret de canard il commence à être bien. Là on va regarder un peu la couleur. Donc, depuis tout à l'heure je le surveille. Donc là regardez, donc là il a une belle coloration. Donc là je vais pouvoir le retourner, le mettre côté peau.
Je vais baisser un peu le feu, tout doucement. Là, ça va être juste le but, ça va être juste de le colorer un tout petit peu. Et on pourra finir la cuisson au four. On a une question. Vu que la sauce bigarade, nous, on met du fond de veau. On peut pas, ça peut pas être végétarien, mais on peut juste mettre de l'eau. Si, si, oui, justement, on met du bouillon de légumes. Bouillon de légumes au fond de veau. Bouillon de légumes au fond de veau. Fond de veau ou eau, enfin, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment pour apporter du goût. C'est juste qu'au lieu de mettre de la simple eau, ça va apporter du goût en plus, donc c'est utile. Mais vous pouvez très bien mettre juste de l'eau. Donc là, le caramel était prêt. Donc, je vais simplement ajouter le vinaigre. Le vinaigre s'est bien évaporé. Donc c'est parfait. Puis ensuite, on va venir mouiller avec nos jus de fruits. Voilà, tout simplement. Donc ton caramel était prêt, tu rajoutes le vinaigre blanc, tu mouilles avec les jus d'agrumes. Exactement. Et là, c'est tout. Voilà. On nous dit qu'on est au top. C'est très gentil. C'est de votre part. Hein. C'est très gentil. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une grosse journée. On a commencé à 6h30. Ah bah, ça sent bon, oui, mais pour vous, vous pouvez pas savoir. C'est un peu le problème du vide. Regarde ça comme ça. Et les personnes qui sont derrière la caméra nous ont dit que ça sentait bon en tout cas. Merci l'équipe Campus. C'est le principal, c'est le but en tout cas. Donc là, regardez, donc je commence à avoir un peu de gras. Mmh. Donc je vais l'enlever. Justement, ça sert à rien d'avoir un excédent de gras, ça va pas être très utile. T'en as besoin, toi ou pas? Non, je vais essayer de faire 3. Et le gras, on peut le garder? Le gras, vous pouvez vraiment le garder. Là, du coup, on va pas le garder parce qu'on n'est pas chez nous, mais si vous êtes chez vous, le gras, vous pouvez le garder et le réutiliser pour, au lieu de mettre du beurre, par exemple, quand vous faites sauter vos gnocchis, je sais pas, je dis n'importe quoi, bah, vous pouvez très bien utiliser de la graisse de canard. Ça fait un meilleur goût même pour des frites. Ça donnera du ou goût. Ou des pommes de terre. À la base, les vraies frites sont frites dans la graisse de canard. Non, de la graisse de bœuf. Bœuf. Ouais. Il me semble. Sûr, certain. Bah, ça a l'air bon en tout cas, les gars. Hein. Voilà, donc là j'ai une belle couleur sur mon magret. Et donc je vais laisser finir la cuisson au four à 180 degrés, on va le laisser 2-3 minutes. Et tu mets directement la poêle dans le four? Ouais. Et si vous êtes chez vous et que vous pouvez pas, vous pouvez enlever le magret, le mettre dans un plat au four, c'est la même chose. Hein. Le but c'est juste vraiment de finir la cuisson tranquillement. T'as encore rien rajouté là, Mathieu? Non, j'ai rien rajouté, donc là on va laisser un petit peu réduire, mais vraiment légèrement. Non, pas dessus. Donc là, vu que ça boue, j'imagine qu'il faut arrêter. Non, justement, non. En fait, là, faut. D'ailleurs, j'ai changé de feu parce que du coup, c'est pas normal que ça boue. Faut que ça cuise. Après, là, c'est un léger frémissement. Je sais pas si vous pouvez le voir. Là, c'est un léger frémissement, donc on va le laisser tranquillou comme ça. Donc le but, c'est que le sucre va enrober petit à petit les zestes d'orange. Donc on va le laisser vraiment infuser. Donc ça va confire quoi? Exactement, ça va confire. Il ne faut pas non plus que ce soit une trop grosse ébullition parce que déjà c'est du sucre. Parce que là il y a de l'eau et du sucre. Là, y a juste de comme l'eau un sirop. Okay. Bah, c'est un sirop en fait. On le fait confire dans un sirop tranquillement sur le coin du feu. Donc là on va laisser ça tranquillement de son côté. Et donc là ce qu'on peut faire pendant ce temps-là à la limite, c'est commencer de, déjà je vais vous montrer à préparer une poche à douille. Parce qu'on ça va être pour le dessert. Pour le dessert, pour le dressage du dessert effectivement. Donc j'en ai déjà préparé une à l'avance, juste pour gagner du temps. Donc je vais vous montrer là comment faire, hein. C'est très simple, il n'y a pas de point technique. Et si jamais vous n'avez pas de poche à douille à la maison, vous pouvez utiliser un sac congélation, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et si tu n'as pas de douille, par exemple? Si on n'a pas de douille, c'est simple, hein. Le sac congélation, dans l'angle, on coupe. Et du coup, bah, ça fera un rond automatiquement si vous coupez bien droit, et du coup, vous pourrez pocher. Et... Okay. Et puis après, là, on utilise des poches à douille, mais c'est pour le dressage, c'est pour faire un beau dressage en soi, si vous êtes chez vous et que vous voulez juste bien manger. Vous n'êtes pas obligé de dresser des à chaque fois, à chaque plat, c'est pas nécessaire. Bien sûr. Ok. On a une question, c'est pourquoi on quadrille le magret avant de le cuire? Alors on quadrille le magret, donc je l'ai dit au début, donc pour ceux qui n'ont pas écouté, je suis très déçu. Alors on quadrille le magret tout simplement parce que en le cuisant, du coup le gras du canard va directement être en contact avec la chair, donc ça va le cuire plus facilement. Ok. Et ça permet tout simplement bah oui, d'avoir une cuisson plus uniforme et de pas... attendre que la chaleur d'abord passe par la couche de gras, puis par la chair. Okay. Ça va directement atteindre la chair et donc du coup la cuisson va être mieux répartie et plus propre. Et ce sera plus croustillant, on pourra même le manger si quelqu'un aime. Oh, bah oui, complètement. Donc, qui a eu la bonne idée de ce live, de ce show cooking? Alors, c'est l'équipe Campus. C'est
c'est les adorables personnes de l'équipe Campus. Et, qui l'avons... En cohabitation avec les élèves. Et il faut savoir que c'est l'équipe Campus qui a... Merci l'équipe Campus. On remercie l'équipe Campus. Mais c'est une super idée. Par contre, nous avons apporté nos idées aussi. Hein. Oui, bien sûr. Les recettes, c'est nous. Savoir que les recettes, c'est nous. Une bonne partie de la mise en place, c'est nous. L'équipe Campus, ça va être le cadre. Et c'est nous qui développons. voilà, c'est nouveau. C'est pas l'équipe Campus qui nous fait tourner un texte et on apprend. Non. On a un peu de liberté quand même. Donc, qu'est-ce que tu as rajouté? Donc là, pour la sauce, du coup, ça a un petit peu réduit. J'ai ensuite rajouté mon fond brun. Et c'est juste parfait. Et là, c'est fini, tu rajoutes plus rien. Alors, pour le magret, on a fini... Donc, pour le magret, on a fini la cuisson au four 3 minutes à 180. Donc là, il reste à peu près... 2 minutes. Non, 15 secondes. Il reste à peu près 15 secondes. Et là, du coup, ça finit aussi les pommes de terre. Donc là, après, on va baisser le four à 85 degrés pour avoir un maintien au chaud le temps que la sauce se finisse. Ok. Après, là, et une fois que la sauce sera finie, on pourra dresser. Exactement. Et on pourra manger. Ouais, on va passer à la dégustation. Et là, il faut savoir que du coup, là, nous, personnellement, on l'a mis 3 minutes en 180 degrés. Mais si quand je le coupe, il n'est pas assez cuit, on peut le remettre un peu parce que chaque magret est différent. Il n'y a pas un taille. Ça ne va pas être 3 minutes pour tous les magrets. Il faut savoir que les magrets, tous les magrets sont différents. Ils ont des poids différents, ils ont des formes différentes. Mm-hmm. La cuisson sera tout le temps différente. Okay. Donc après, ça vous d'ajuster. On dit 3 minutes, c'est une moyenne, mais... Il faut ajuster, bien sûr. Il se peut très bien que là, on le remette un tout petit peu en cuisson parce qu'il n'est pas assez cuit, par exemple. Ok, ça marche. Et on a une petite question. C'est quoi une sauce au diable? Ouais, sauce au diable. Pour changer de sauce. Très bonne question. Je vais chercher mon livre culinaire. Une sauce au diable, c'est une sauce épicée avec du poivre mignonnette, il me semble. De la moutarde, du fond, tout simplement. Du fond. Et ça pique, quoi. Ça pique. Est-ce que le rythme d'études est difficile à l'institut, levé tôt ou coucher tard? Il est extrêmement dur et invivable. Non. La preuve, on est tous noirs. Non, il est, faut juste s'habituer aux horaires. Mais il n'est pas si dur parce qu'on ne fait pas souvent levé tôt ou coucher tard. Les apprentissages, par exemple, si on se lève tôt, on finit tôt. Et si on finit tard, on a commencé tard. Mais il n'y a que quelques fois, quand on est dans des restaurants d'application, où on fait un peu des horaires durs. Mais faut s'adapter et franchement, ça passe tout seul. Et on est encore vivant, hein, donc ça va. Et donc là, la meilleure partie de notre métier de cuisinier, c'est simple, ça va être de goûter tout ce qu'on fait pour l'assaisonner. Mais avant, il faut goûter, donc... On se fait plaisir. Donc là, la sauce est légèrement en train de réduire. Mm-hmm. Donc réduire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que tous les liquides vont s'évaporer, les goûts vont se concentrer en fait, et c'est ça qui va donner la texture. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait de la persillade? Alors la persillade, on va juste la mettre sur la fin, sur les pommes de terre. Voilà, donc pour finir l'assaisonnement, ça va être vraiment parfait. Donc, Et pourquoi le persil, on ne le met pas dans le four? Parce que si on met le persil dans le four, Anouk, ça noircit. Quand ça noircit, c'est moche. Et quand c'est moche, en plus, ça perd du goût. Donc, c'est clairement pas le but, aujourd'hui. Super. Donc là, c'est en train de réduire. La persillade, mais en soi, la recette qu'on vous montre, c'est une recette globale. Mais par exemple, si demain, vous n'avez pas d'ail, pas de persil, ou vous n'avez tout simplement pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est des bouts de recette, vous en faites ce que vous voulez, c'est la liberté. Hein. Donc, on me demande comment faire une sauce hollandaise, je pense tellement savoir qui c'est. On fait d'abord un sabayon. Qu'est-ce que c'est un sabayon? C'est deux jaunes d'œufs, par exemple, dans une sauteuse. On ajoute deux demi-coquilles d'eau qu'on met sur le feu, mais à une température où on peut mettre notre main en dessous, pas que ce soit trop chaud. On fouette, ça fait vraiment une grosse mousse. Et à la fin, on rajoute du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est du beurre qu'on a chauffé, où on a enlevé le petit lait. C'est ça qui fait brûler souvent. Et donc on rajoute ça et c'est une sauce hollandaise, c'est pour manger sur les œufs bénédicts par exemple. Donc c'est très bon. Très belle explication. Merci. Les assiettes, dressage. Oui. On a bientôt commencé. Là par exemple, j'ai mis un doigt dans l'assiette, bah c'est pas bien. Mais regarde, t'as du vinaigre blanc.
Donc là, bah, je te laisse le faire. Les zestes, ils sont finis. C'est pas bien, vraiment. Donc, je vais éteindre le feu. Donc les zestes sont finis ? Exactement, les zestes sont finis. Donc là, juste on éteint le feu. Comme ça, ils vont se refroidir. Mm-hmm. Et finir leur cuisson tout doux. Quoi. Donc là, la sauce. La sauce, tu la laisses encore réduire ? Ouais, voilà. Faut qu'elle ait un aspect quoi, sirupeux un peu ? Ouais, un petit peu sirupeux. Après, pas trop sirupeux non plus, parce qu'il y a quand même du sucre avant. Donc c'est pas trop dingue. À quand une collab avec le chef Michel Dumas ? Ah, mais clairement, on l'attend. Le problème, c'est qu'il vient du Québec. Et après, c'est aux frais de l'Institut. Ça fait peut-être un petit peu cher, mais j'aimerais bien le rencontrer, ce bonhomme. On s'est beaucoup inspiré de chef Dumas. Oui, clairement, on met le fond de veau dans la sauce bigarade. On l'a mis juste après l'ajout des jus d'orange et de citron. Donc voilà, et là maintenant justement on est en train de faire réduire. Petite explication, si jamais d'autres avaient zappé, pour le fond de veau là, déshydraté, je l'ai réhydraté dans 15 centilitres d'eau, j'ai ajouté une cuillère à café et demi, voilà. Et est-ce que, vu que tu as encore les zestes d'orange, est-ce que tu filtres la sauce avant de la dresser ou tu laisses avec les zestes ? Il y en a qui peuvent filtrer, moi je préfère parce que c'est vraiment, comment dire, c'est en plus sympa en bouche, puis ça va aussi apporter un petit peu de texture dans l'assiette et c'est ce qu'on va rechercher quand même. Voilà. Ok. Et on nous pose la question, avec qui on travaille comme chef ? Alors, rêvez-vous de travailler ? Avec tous les chefs. À qui on rêverait de travailler ? Pardon, je ne sais pas lire. C'est pas grave. T'es cuisinière après tout. Déjà, Michel Dumas, bien sûr. J'aimerais travailler avec Michel Dumas. Oui, Michel Dumas, mais moi j'aimerais travailler avec plein de chefs, mais... En fait, chaque chef peut apporter quelque chose de différent. Il y a des chefs qui ont une philosophie que tu vas beaucoup apprécier. Il y aura des chefs qui ont une technique culinaire que tu vas beaucoup apprécier. Parce que plusieurs chefs 3 étoiles auront toutes une vision de la cuisine différente. Oui. Donc moi, je vais apprendre de tout et j'ai pas qu'un seul type de cuisine que j'apprécie. Ok. Et toi, Mathieu ? Quel chef avec qui j'aurais travaillé ? Une bonne question. Je pense pas qu'il y ait forcément de chef avec qui j'ai envie de travailler là instinctivement, mais on va plutôt dire travailler avec des chefs qui ont vraiment des philosophies différentes et qui ont des concepts différents et qui apportent des belles choses à la cuisine et qui prônent de certaines valeurs, voilà. Oui, ceux qui ont des belles valeurs. Exactement. Donc du coup, est-ce que ton magret est cuit ? Alors il est cuit, il est même un peu trop cuit. Bravo. Voilà. Pour être complètement honnête, là on peut le voir, hein. Donc il est légèrement Il est un peu rosé au milieu, très mais légèrement pas... rosé. Après, je sais pas si on le voit bien, mais il est un peu rosé encore au milieu. Normalement, il doit être encore un peu plus rouge, mais ça va rester bon parce que dans tous les cas, il est quand même très moelleux et il reste juteux. Il est pas sec. Ok. Donc, et on nous demande si on a des belles anecdotes de stage à raconter. Donc, alors, comment vous dire ? À cause du Covid, l'année dernière, Aurélien et moi n'avons pas pu faire de stage, mais Mathieu a peut-être des anecdotes vu qu'il a pu faire un stage raccourci. Moi, clairement, du coup, je devais faire un stage de 4 mois donc, dans la maison Rollinger. Rollinger. Au final, j'y ai passé 2 mois, c'était vraiment 2 mois exceptionnels. J'ai vraiment pu apprendre la cuisine comme elle est, c'est-à-dire mettre vraiment en avant le produit. Et travailler des produits frais, locaux, de saison. Et vraiment, l'anecdote, une petite anecdote, c'est vraiment moi, c'est le premier jour de stage qui m'a impressionné, c'est-à-dire quand j'ai découvert le lieu. Clairement, j'ai pris une claque parce que c'était juste sublime, des jardins mais magnifiques, le tout en bord de mer, donc il n'y avait vraiment rien à dire. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué à l'esprit, et aussi le fait d'arriver sur le parking, déjà des clients, mais aussi du personnel. Et à peine de sentir en fait les épices qui sortent de la cuisine, parce que la maison Rollinger produit ses propres épices, c'est quand même la maison qui a importé les épices en France. Et donc vraiment c'était impressionnant et ça m'a tapé au nez, quoi, voilà, on regarde ça comme ça. Ok. Et cette année Aurélien, c'est quoi ton stage ? Enfin, est-ce que tu as trouvé et où est-ce que tu aimerais aller ? Alors, la question du stage c'est un peu compliqué. Oui, mais... la question du stage c'est un peu compliqué, donc je sais où je veux aller, en fait l'année dernière je devais aller dans ce restaurant, mais du coup à cause du Covid je n'ai pas pu y aller. Mm-hmm. Et du coup je veux encore aller dans ce restaurant, malheureusement pour l'instant j'ai pas encore de nouvelles et j'attends un peu, je suis un peu dans l'attente justement des réponses du chef parce que lui-même ne sait pas encore quand est-ce qu'il pourra réouvrir, etc. Mais du coup ça serait un restaurant à Aix-en-Provence, au château de la Gaune, Aix-en-Provence. Donc il y a plusieurs pôles de restauration, mais c'est une seule cuisine et moi j'aime bien travailler là-bas parce que le chef, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ok. Et toi Mathieu ?
Tu vas où cette année? Moi pareil, toujours en attente de réponse. Peut-être à l'hôtel du Palais à Biarritz pour la réouverture, pour travailler en pâtisserie avec le chef Alexandre Oliver, qui était anciennement chef au restaurant de Gordon Ramsay à l'hôtel du Palais. Chef Alexandre? Alexandre Oliver, okay. Qui était chef anciennement à l'Intercontinental, pardon, chez Gordon Ramsay à Bordeaux, voilà. Okay. Et toi, Anouk? Et moi, encore en attente, mais sûrement les Terres Blanches ou les Denrock à Antibes, donc à voir. Donc on a une autre question, en moyenne, combien de temps on met pour se faire à manger chez nous? Ça va vraiment dépendre en fait des produits qu'on va avoir et de ce qu'on va, et surtout de nos envies en fait. Si par exemple, comme nous, ce qu'on fait régulièrement les week-ends, c'est-à-dire on se rend, je vais le dire grossièrement, mais des grosses bouffes ensemble, des grandes tables, souvent ça va très vite parce qu'on est ensemble et on se prépare ça vraiment assez rapidement. Et puis c'est des plats basiques, on se fait genre des côtes de bœuf, des pizzas, des choses comme ça, enfin, vraiment des choses mais très simples. Mais sinon, la semaine, on fait pas non plus des plats gastronomiques, on se fait des petites recettes étudiantes comme tout le monde. Quoi. Faut pas croire, c'est parce qu'on travaille en cuisine que tous les soirs, dans mon logement étudiant, je me fais des plats de fou furieux. Non. Des fois, j'ai juste, comme tout le monde, j'ai juste pas envie, j'ai juste pas le temps. Et des fois, je me fais juste des pâtes au beurre et je suis très content. Hein. Oui, c'est très bon les pâtes au beurre. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je suis en train de mettre la sauce. Donc on met généreusement sur le magret. On essaie aussi de récupérer un peu les zestes parce qu'on les a pas fait pour rien. Et voilà. Donc on a un message de quelqu'un qu'on connaît qui nous dit qu'il faut venir à Barcelone parce qu'il y a plein de bons trucs et moins cher. Et oui, Margot, t'as raison. Mais tu nous manques, mais les frontières sont fermées. Alors ça va être compliqué de venir à Barcelone, mais si un jour on peut, on viendra. Donc là, tu mets quoi? Du gros sel? Donc là, non, je mets de la fleur de sel. Et c'est vraiment juste pour... la fleur de sel a un arôme un peu différent du sel. Et c'est vraiment juste pour... donner un petit goût en plus et rehausser le goût du plat et c'est de la finition. Ok. C'est donc ce qu'on est pointilleux ici. Là le plat est fini, c'est donc ça? Là le plat est fini. Donc on peut déguster? Donc là on peut déguster. Je vous amène découvert. Question, pourquoi la poursuite d'études au Japon? Excusez-moi, donc on a une question. Pourquoi la poursuite d'études au Japon? Alors moi personnellement, ça a toujours été mon rêve depuis tout petit et même avant de rentrer à l'Institut Paul Bocuse, j'ai toujours rêvé de travailler au Japon. Déjà pour l'excellence, pour les produits qui sont proposés et la rigueur. Et surtout une cuisine qui est très avant-gardiste. Donc voilà pourquoi moi je voudrais choisir cette spécialisation. Et toi, Anouk? Bah moi c'est pour le voyage et puis le Japon c'est vachement intéressant. C'est, c'est un pays qui est complètement différent de la France. Donc même la cuisine elle est incroyable. Donc c'est pour ça le Japon. Et toi? Excuse-moi, je suis en train de me gaver. Alors moi le Japon tout simplement parce que j'aime beaucoup cette culture et depuis longtemps déjà j'aime bien la culture japonaise tout ça donc j'ai encore plus envie d'y aller et si je peux y aller avec l'institut et pour apprendre à cuisiner là-bas c'est un plus et c'est pour ça. En tout cas c'est délicieux les gars. Ouais. Alors la résidence étudiante, alors faut savoir qu'à l'institut il y a une résidence étudiante qui est au sein même de l'école qui s'appelle le Clipper. Et donc du coup, oui, donc on a une résidence étudiante vraiment collée à l'institut, donc à l'intérieur avec tous les élèves en première année, c'est réservé aux premières années. Moi j'y étais personnellement et j'y garde de très très bons souvenirs. Je regrette vraiment pas d'y être allé. Mathieu aussi y était, il pourra vous dire je pense la même chose que moi. Le Clipper ça restait des belles années quand même. L'ambiance est toujours très sympa au Clipper et tu te fais des amis très vite. Clairement, pour faire des soirées, c'est au Clipper que ça se passe. C'est super bon. Hop. Donc là, on va ranger. Attention. On vous laisse l'assiette là. De présentation. Hop. Donc ensuite on fait quoi Aurélien? Donc là ensuite on va passer au dessert. Donc il faut savoir qu'au dessert on a déjà bien commencé la mise en place. Donc moi j'ai fait l'orge chantilly, Mathieu a découpé ses poires, on a nos zestes de citron confit.
Donc là, du coup, Mathieu, il va vraiment les faire retirer les poils dans beaucoup de beurre. Mm-hmm. Bien généreusement, avec de la cannelle, un peu de sucre vanillé et un petit jus de citron. Donc on va les faire poêler nos poires. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre en poche ma chantilly pour passer au dressage. Et donc, c'est relativement rapide à faire ce dessert. Il n'y a pas autant de mise en place que dans le plat. Et on a une autre question, c'est est-ce qu'on peut faire des stages à l'étranger à l'Institut ? Donc, oui. On peut faire des stages à l'étranger, c'est conseillé à partir de la deuxième année et en troisième année on peut aussi. Et on peut faire partout à l'étranger où on veut. Il suffit juste d'avoir un bon projet et puis... Et de parler aussi un minimum la langue, parce que si on se retrouve dans un restaurant et qu'on ne parle pas forcément espagnol ou anglais, ça peut être très très compliqué je pense. Voilà. Ou en tout cas, il faut parler anglais pour aller à l'étranger. Il faut savoir que déjà, si vous faites tous les tours des restaurants en France, vu le terroir qu'on a, enfin, chaque région a une culture culinaire différente, donc il y a déjà pas mal à apprendre en France déjà de base. Donc à l'étranger, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut aussi savoir que la gastronomie française est juste énorme. C'est vrai, on peut apprendre en France et après voyager pour apprendre d'autres cultures et peut-être faire une fusion France ou quoi que ce soit. Donc on a une autre question. Est-ce que les opportunités d'emploi sont... quasi garantie après l'Institut Paul Bocuse. Oui, enfin, c'est quasiment sûr d'avoir un emploi, voire certains. Mais après, ça dépend du CV aussi, de la motivation. Et sinon, il y a énormément de chances qu'on ait un emploi dans une belle maison ou en tout cas dans avec un chef, avec des belles valeurs, etc. Et surtout, l'important d'un étudiant de l'Institut Paul Bocuse, c'est que quand il va sortir de l'école, à défaut d'une autre école, il va vraiment évoluer beaucoup plus vite et donc gravir les échelons vraiment très rapidement. Et c'est ça qu'un employeur recherche actuellement. Et puis à l'Institut, on apprend beaucoup de choses. On n'apprend pas que de la cuisine, pas que de la théorie. On mélange tout et même on a du service. On apprend beaucoup de choses qui peuvent nous servir dans tout type de métier. Voilà. Voilà. Donc, c'est important d'apprendre le métier de l'autre surtout. Oui, et on apprend en commençant, même on a même fait de la plonge. Enfin, on apprend au plus bas. Et comme ça, on peut monter et savoir pour les autres. Donc, on nous dit que c'est très bien joué pour ce premier live qui donne envie. On est content. on est vraiment content parce qu'on a bossé, on y met de l'envie en tout cas. Et c'est pas forcément si simple que ça hein, de faire un live. Surtout en live. Donc là, tu fais quoi? Tu refouettes un peu ta chantilly pour la refaire là, tenir? Là, je refouette pour la refaire tenir parce que par rapport au dressage, on va avoir des belles bulles dans l'assiette. Et donc, je veux qu'elle se tienne bien, je veux qu'elle ait du corps. Okay. Et donc, du coup, je la refouette tranquillement. Parce que du coup, l'avoir mise au frais, ça l'a un peu détendue? C'est ça. Ok. Là, je la refouette tranquillement. Je l'ai peut-être sortie un peu tôt parce que Mathieu n'a pas encore commencé la cuisson des poires. Après, il faut savoir que les poires, ça va être relativement rapide à cuire. Et donc pendant ce temps-là, je mettrai ma chantilly en douille et on va passer au dressage très rapidement. Ok. Et pour la cuisson des poires, est-ce qu'il faut qu'elles soient fondantes ou juste colorées et un peu croquantes? Il faut vraiment qu'elles soient colorées, on va dire un petit peu croquantes, mais quand même tendres sur le fondant, c'est quand même plus agréable. À quand la recette? Alors, la recette des galettes bretonnes, je sais pertinemment que cette question m'est dédiée. Et je te la ferai quand on se reverra, t'inquiète pas. Et un jour, je ferai une recette de galette bretonne pour cette personne. Donc là, t'attends quoi? Que le beurre frémisse? Ouais, j'attends vraiment que la poêle soit un tout petit peu plus chaude parce que là, clairement, elle manque de chaleur. Ok. Donc, après, voilà. Tu mettras tes poires de quel côté? Sur le côté... Exactement, en fait, on côté va venir, justement les poser comme ça. Pas côté peau? Non, pas côté peau. Okay. Les finira côté peau, mais après... Le problème, c'est que j'ai peur que la peau crame vraiment et c'est peut-être tout ce qu'on veut. Ok. Faut juste ça apporterait de l'amertume, quoi. Ok. Alors, on a quel âge? Alors, du coup, on l'a dit au début, donc on a encore se répéter, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, moi, j'ai 19 ans. Moi aussi, j'ai 19 ans. Et moi, j'ai 20 ans. Voilà. Super. Tout simplement. Et pour le coup, c'est ça qui m'a vraiment choqué à l'Institut, c'est qu'il y a une disparité au niveau de l'âge qui est assez drôle à voir. Surtout en cuisine. En hôtellerie, un peu moins, mais en cuisine, il y a vraiment tout âge confondu. Oui, Catherine, je te ferai ce dessert, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis.
tu veux. Donc là, on attend quoi? On attend que ça chauffe. Après, là, on attend on fera que colorer poêle les poires. Soit bon, chaud, ouais. Écoutez-vous de la musique en cuisinant? Alors, à l'institut, on n'a pas le droit. Malheureusement. Non. Mais c'est logique. En entreprise, ça se fait. Entreprise, pardon. Entreprise, je sais que ça se fait. J'ai déjà vu. Et moi, personnellement, je le fais chez moi parce que ça donne plus de motivation, quand même. Oui, chez nous, oui, on écoute. Mais à l'institut, non. Du coup, malheureusement. Quel genre de musique alors, t'écoutes? Alors, quel genre de musique? Alors, j'écoute de... Personnellement, j'écoute vraiment de tout. De tout. J'écoute du rap français, j'écoute du rock, du vieux rock, du style Supertramp, Queen, j'aime bien. Tout le rap français, j'aime bien. Enfin, j'écoute vraiment de tout. C'est important de tout aimer. Comme pour la cuisine, il faut tout aimer. Bien sûr. Et toi? Moi, un peu comme rien, j'écoute vraiment de tout, j'ai pas de limite et je suis vraiment ouvert à plein de musique, j'aime découvrir des choses. Oui, moi aussi. Donc là, t'as fait quoi? Tu là, mets tes poires? Je viens juste de poser mes poires, donc la poêle commence juste à être chaude, donc c'est parfait, comme ça ne va pas les agresser. Donc ensuite, je vais juste assaisonner avec un tout petit peu de fleur de sel. Moi, j'en mets toujours dans les desserts parce que le sel est exhausteur de goût et la fleur de sel va vraiment développer le goût de la poire. C'est parce que tu viens de l'île de Ré, ça. Exactement, c'est un peu le problème, mais bon. Ensuite, un petit peu de cannelle. Là, il y a l'équivalent de 2 sachets de sucre vanillé qu'on viendra juste saupoudrer. Il ne faut pas non plus en mettre de trop parce que le problème, c'est qu'après, ça va être beaucoup trop sucré et c'est plus sympa de préserver le goût sucré naturel de la poire. Voilà. Okay. Alors, du coup, on nous demande si on a des cours de nutrition. Donc, oui, on en a. C'est pas personnellement la matière que j'apprécie le plus dans la formation, mais on a des cours de nutrition qui sont quand même très intéressants. Oui, ils sont très intéressants. Mais après, on aime toujours le beurre et la crème. Hein. Mais ça nous comme en apprend Paul beaucoup. Dédicace à Paul. Donc là, tu fais quoi? Tu saupoudres de cannelle. Là, je saupoudre de cannelle. T'as mis de la fleur de sel. Exactement. Et tu vas mettre du sucre vanillé. Sucre vanillé. Et c'est tout. Non, et j'ai oublié à la fin, je rajoute un petit jus de citron. Je trouve ça sympa. Pour donner un peu d'acidité. Voilà, puis aussi bah, pour déglacer, récupérer les sucres qu'on a dans la poêle. Voilà. Ok. Là, par exemple, on peut voir qu'elle a déjà commencé un peu à redescendre, à perdre un peu de la force que je lui avais mise tout à l'heure. Quand je fais le bec d'oiseau, il se tient déjà un peu moins que tout à l'heure. Bon, là, je l'ai remonté, du coup, ça se voit moins, mais tout à l'heure, ça se voyait en tout cas. Mieux. Bah, si vous voulez vous demander nos Instagram, n'hésitez pas, hein, faut le dire plus franchement. Hein. Non mais merci, ça fait plaisir. C'est toujours plaisir. Les poires là quand même c'est assez gros et le problème c'est que l'induction met un petit peu de temps à chauffer donc juste pour les finir, on va juste les finir au four à 180, je pense que votre four reste assez chaud, donc juste à 180 pendant 2-3 minutes, ça va juste terminer la cuisson et ce sera parfait. Alors moi du coup j'avais sorti ma chantilly, du coup je l'ai re-rangée au frais parce que bah, du coup petit imprévu, on pensait qu'on allait monter plus rapidement en température au niveau des poires mais c'est pas grave. Du coup, bah moi, je remets ma chantilly au frais parce que si je la laisse trop longtemps dehors, elle va perdre elle va moins se maintenir. Et quand je vais la mettre en poche, vu que j'ai déjà la chauffée avec mes mains, il faut éviter qu'elle soit trop chaude parce que justement, après, bah, elle peut devenir dégoulinante et c'est pas le but. Du coup, bah, je la laisse au frais. Et quand Mathieu sortira et qu'elle commencera à dresser, je la remonterai rapidement et je la mettrai en poche. Et ça suffirait pas de mettre juste dans le bol de glace? Bah, ça suffirait, mais je peux juste la mettre au frigo, ça suffit aussi. Et en plus, le bol de glace, je l'ai plus. Donc, enfin, s'il est là, mais. C'est mieux dans le frigo, c'est plus rapide parce qu'il est à côté de moi. Ok, ça marche. Ce petit frémissement là. Donc là, c'est quoi? C'est les zestes d'orange confit. Ouais, ouais. Donc là, c'est les zestes d'orange confit. Tu peux les mettre sur la caméra? Je sais ce que je voulais faire. Donc là, attendez, je vais me mettre là pour mieux voir. Donc là. Regardez, donc c'est des zestes, ils vont devenir très translucides, ils sont faits confire dans le sucre. Donc c'est exactement comme on a dans les confiseries ou dans des chocolateries. Donc c'est ce qu'on voulait, donc là il a une belle consistance et on va les séparer juste du sirop qui est un peu froidi et donc on va juste les disposer sur notre dessert. Et c'est très simple à faire.
C'est très simple. On peut faire des bonbons maison, quoi. On n'a rien fait de très compliqué. On a juste fait un sirop, du coup, avec 100 grammes d'eau, 100 grammes de sucre. Mm-hmm. On a laissé frimir tout doucement avec nos zestes de citron, d'orange. Et du coup, naturellement, les zestes vont se charger en sucre et ça va donner ce côté translucide bonbon. Et oui, non, c'est pas compliqué. Il faut juste laisser sur le coin du feu à feu doux, pas trop fort. Et puis voilà. Ok. Trois mots pour définir l'Institut Paul Bocuse. Non, rien. Je dirais famille, partage et... Excellence. Ouais, apprendre sage, excellence. Ça sert à quoi de les arroser, Mathieu ? Ça sert de commencer à cuire dessus, la partie du coup qui n'adhère pas à la poêle. Sans justement mettre la peau contre la poêle pour pas que ça ait de l'amertume, c'est ça ? Exactement. Super. Tout simplement. Pas mal. Du coup, pour le dressage du dessert, on aura besoin de quoi ? Alors, pour le dressage du dessert, alors du coup, j'ai des poches à douille ici, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser des sacs congélation, et si vous n'avez pas de douille, vous avez juste à couper l'angle. Donc, on va poser 4 points de chantilly, donc comme ceci, 4 gros points avec une grosse douille. On va disposer les poires en forme de Z. Sur ces gros points chantilly, on va poser des petits zestes d'orange confit. Et à côté, avec cette petite douille, on va poser des petits points pour... pour le côté raffiné, ok. Il y a des règles de dressage aussi à respecter, faut pas que ça soit trop linéaire. Trop militaire, pas trop. Exactement. Pas trop avec faut des laisser un peu de fantaisie. Ok. Et ça attirera beaucoup plus l'œil. On a une autre question. Est-ce que les élèves de l'Institut Paul Bocuse ont l'occasion de se confronter aux autres écoles culinaires ? Oui. Bah déjà, il faut savoir que chaque concours culinaire, on peut demander, on peut être préparé avec l'Institut à des concours culinaires. Donc du coup, les chefs nous y accompagnent, on s'y prépare ensemble. Et du coup, bah là. On est du coup en rivalité entre guillemets avec les autres écoles pour ce concours. Mais sinon, à part les concours culinaires, on n'a pas forcément l'occasion de se. Non, on ne fait pas des concours inter-écoles. Oui, il n'y a pas de derby. Il n'y a pas de VS, ce n'est pas un combat entre deux écoles qui est le plus fort. C'est l'élève qui a envie de faire un concours ou pas, qu'il le gagne ou pas. Et voilà. Et toi, tu aurais envie de faire un concours ? Alors, moi, personnellement, non, ce n'est pas quelque chose qui m'attire vraiment, les concours. Mais je n'exclus pas l'idée. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire là actuellement. Alors que j'ai des amis à moi qui, eux, font déjà des concours et ont adoré. Et toi, Mathieu, propos de concours ? Moi, propos de concours, c'est en cours. Donc pour l'instant, je ne dis rien, on verra bien. On porte pas mal de chance. Voilà, on porte pas mal de chance. On verra si le dossier est sélectionné. Mais moi, pas forcément pour mesurer aux autres, mais plutôt des concours pour défendre des valeurs, des types de cuisine et des produits. Et surtout, tout un environnement. Voilà. Donc on a un commentaire. Donc dans le commentaire, Xavier Loisel vous encourage fort. Ah, monsieur Loisel, on fait des gros bisous. Des gros bisous, monsieur Loisel. Vous méritez, je pense. Des gros bisous partout. Elles sont fondantes ? Ça commence. Pas encore ? On va juste la retourner pour la fin. Ça a l'air bon en tout cas, hein. Et ça sent bon. Peau, finalement, on n'aura pas besoin de le finir au four. Donc c'est pas grave. Voilà, parfait. Je vais finir. Rajouter une petite noix de beurre. Oui, toujours être généreux. Toujours quoi. Être généreux dans la cuisine, c'est très important. Ah, bah merci Madame Choc. On vous remercie. Merci. Là, je peux encore la remonter un peu. Après, il faut faire attention de pas trop... Donc là, du coup, je suis au fouille, du coup, j'ai moins de chance. Mais si on est au batteur et qu'on bat trop longtemps, une crème chantilly, elle peut grainer. Et c'est pas beau visuellement et c'est moins bon. Et ça fait du beurre aussi. Ça fait du beurre aussi, là. Ça fera un beurre sucré. Oui. Donc, est-ce qu'il est possible de conserver les oranges confites ? Bien sûr, vous les laissez dans le sirop. Et vous mettez ça tout simplement au frais et ça va se conserver tout naturellement, voilà. Je suis obligé de les laisser au frais, mais c'est quand même plus sympa de les manger un petit peu fraîches. Ouais. Ok.
Comme ça, ça fait des bonbons qu'on peut déguster tout au long de la semaine. Exactement. Super. Ben voilà, maintenant on est fini généreusement. Généreusement, c'est le mot. Toujours. Comment rentre-t-on dans votre école ? Alors, je pense que ça n'a pas changé depuis nous, c'est-à-dire nous, il y a 2 ans, les candidatures. Donc, c'est simple. Là, maintenant, c'est sur Parcoursup. Donc, on remplit le dossier scolaire. Ensuite, on a une méthode d'admission, c'est-à-dire on va passer des petits tests en ligne, un test d'anglais, un test de personnalité, mais qui n'a absolument rien à voir avec, avec l'admission, pardon. On regarde votre dossier. Bien entendu, si vous êtes sélectionné, on passe une journée d'entretien. Donc la journée, c'est quoi, Anouk, tu peux expliquer ? Il y a un entretien individuel avec plusieurs personnes de la direction. On a aussi un quiz de maths, il me semble. Un quiz, oui, de culture générale. De culture générale, avec des maths, etc. Moi, je me souviens, on a maths, logique, culture générale, français, anglais. Ouais, ok. Et ensuite, on a aussi un entretien en groupe pour voir comment on est à plusieurs et comment on réagit. On nous propose un problème, c'est créer un projet en groupe et on est à peu près 10-15 minutes. Et du coup, la personne qui nous gère dans les entretiens nous regarde pour voir comment on réagit en groupe, est-ce qu'on s'impose ou quoi que ce soit, pour voir notre travail en équipe. Et après, c'est tout. Et après, on reçoit un mail sous 8 à 10 jours, je crois, un truc comme ça. C'est assez rapide, donc au moins un point est fixé. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a des aides pour les étudiants qui souhaitent rentrer inscrits sur le Bocuse. Bon, moi, j'en fais partie. La fondation, donc, Gérard et Gilles Pélisson, donc, qui permet de financer une partie des études. Donc, il y a différentes bourses, la bourse au mérite et la bourse sur critères sociaux. Donc, voilà, donc ça va permettre de financer une partie parce qu'on sait très bien que peu de monde ont les financements. Oui, parce que c'est quand même une école qui n'est pas donnée, on va pas se mentir. Voilà, pour l'école. Mais il y a des bourses, quoi. Ouais, donc ça peut vous aider. Et après, on peut renouveler cette bourse si on travaille bien à l'école, si on participe à la vie sur le campus, etc. Donc, très important. Et moi, je les remercie beaucoup parce que sans eux, je pourrais pas être ici. Voilà. Simplement. Donc là, nos poires. Elles sont bonnes ? Elles sont prêtes ? Elles sont prêtes. Et toi, du coup, t'as mis donc moi, j'ai mis ma chantilly en poche à douille. Donc là, du coup, je vais la pocher juste tranquillou dans l'assiette. Tranquillou. Tranquillou, toujours tranquillou. Donc, tu fais 4 points. Un pochage gastronomique, quoi. Oui, là, en soi, là, on dresse, mais la chantilly, vous pouvez juste la poser sur les poires. Avec une cuillère, quoi, si on n'a pas de poche à douille ou quoi. C'est même pas obligé de la pocher. Pour que ce soit gourmand, quoi. Exactement. Ok. Hop. Et moi, je mets juste un petit peu de papier. Parce que les poires, certes, elles ont été cuites dans du beurre, mais ce serait dommage d'abîmer, enfin, de dégueuler l'assiette. On va faire ça comme ça. Hop. Donc, t'as déjà préparé pour la petite, les petits points. Ouais. Et il nous faut que ça pour le dressage ? Du coup, la chantilly, oui, les poires et les oranges confites. Exactement. Hop là. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça va pas le mauvais. C'est chaud ? C'est un peu chaud, comme ça ? Non, c'est pas grave. Comme ça ? Comme ça que tu veux. Reste comme tu veux, dans tous les cas, c'est pour nous. C'est pas très bien. C'est un peu trop chaud. Mais non, c'est parce que c'est beaucoup trop chaud que ça l'a fait fondre. C'est pas chaud aussi. Dans tous les cas, ça a l'air super bon. Dans tous les cas, le mieux, c'est de les poser à côté. On va passer. Parce que sinon, ça peut juste fondre la fonction. Mais pas sur la chantilly, c'est trop chaud.
Donc là, les petits points, c'est vraiment juste pour le décor, hein, c'est pas obligatoire. Clairement, oui, c'est juste pour le décor. Et là, du coup, c'est l'assiette. Donc, par exemple, là, on a créé la recette, on n'a pas pensé. C'est vrai que c'est logique en soi, les poires sont trop chaudes en fait pour la chantilly. Du coup, dès qu'on les pose dessus, elle ne tient plus. Donc c'est voilà, mieux de poser les poires à côté de la chantilly. Oui, voilà. Comme ça, l'assiette reste belle et ça fond pas. C'est la même chose. Oui. Celle-là, c'est celle qu'on mangera, quoi. Ouais. Vous êtes les futurs Cyril Lignac. Ah bah ça, je pense que c'est Paul qui a dit ça. Et on le remercie, d'ailleurs. Donc là, par exemple, normalement, une chantilly très très bien faite, elle est bien lisse. Là, le fait du coup de l'avoir travaillée, remis au frais, retravaillée, remis au frais plusieurs fois, ça l'a fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça l'a fait un peu grainer, donc elle n'est pas très lisse. Mais donc du coup, il faut éviter de trop la travailler, trop la toucher. Ok. Bah dans tous les cas, ça a l'air très très bon. Hein. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, on va le manger. Hein. C'est le risque du métier. Tu sens pas la chaleur quand t'es cuisinier? La chaleur, c'est dans la tête, comme on dit. Et voilà. On n'oublie pas les bords d'assiette, hein, histoire de présenter ça joliment. Voilà. Donc c'est prêt. On peut maintenant goûter. On a deux fourchettes, je ne sais pas pourquoi. C'est super bon. Voilà. Vous avez bien aimé? Moi ça va, j'aime bien. C'était super bon. En plus j'ai rien fait, alors moi ça me va. Bon bah voilà. Du coup on a fini les recettes. On vous retrouve le jeudi 4 mars avec Louise et Ben qui ont fait d'autres recettes avec toujours autant fun. Et on vous remercie. N'hésitez pas à envoyer les photos de vos réalisations sur l'Instagram de l'Institut Paul Bocuse ou même... à n'importe qui, hein, à votre famille. Et on vous remercie et bon appétit. Et voilà, parfait. Au revoir.